Allez, les joueurs qui sont prêts ou presque, les tribunes bien garnies. On attend tous avec impatience le début de ce match, le match dont tout le monde parle depuis pas mal de temps. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce match. Salut Pierre. Oui, bien le bonjour à tout le monde et en avant pour un bon petit match, je le sens. Alors installez-vous confortablement parce que là vous allez voir un match qui généralement est très attendu. La Juventus face à l'Inter de Milan. C'est un match à part en effet et c'est assez rare, l'affiche n'a jamais dépassé les frontières italiennes. Oui c'est vrai ça, 60 ans de Coupe d'Europe, aucune confrontation entre la Juve et l'Inter. Je suis trop content. Pour cette rencontre, nous retrouvons la Juventus face à l'Inter, soit la meilleure défense face à la meilleure attaque. Oui, il reste à voir ce que ça peut donner sur le terrain. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. C'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur à 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Voici le 11 de départ de l'Inter. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. C'est un Italien qui va arbitrer cette rencontre, Gianluca Dalparano. Et ça y est, le derby d'Italie, tant attendu, l'arbitre vient de le lancer. Ah ouais, avec pour en jeu une question de suprématie entre la Juve et l'Inter. Pjanic, Federico Bernardeschi. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, la bonne interception et le danger qui va donc s'éloigner. Il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Marcelo. Bagni. Merci. L'Inter qui part à l'attaque. Et le gardien, c'est pas fini. Ah, il est bien placé pour centrer. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ça va être compliqué. La passe en hauteur pour Léo Messi. Marco Senso. Les jeunes de Turin à l'attaque. Iguain, il peut marquer là sur cette occasion. Et le but, l'ouverture du score. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Ah, il est impuissant hein, sur cette frappe. Il faut souligner la qualité de cette frappe, là, qui a quelques centimètres du poteau, c'est parfait. Et c'est pas la joie sur le banc de touche, il va falloir courir après le score maintenant. La Juventus a donc pris l'avantage. Casalario. Les Otozil. L'Inter qui peut continuer. Avantage. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Les Otozil. Pas de problème. Hein, pour Chesney sur cette action. Marco Asensio.
Higuaín. Asensio. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Casalario. L'arbitre qui accorde un coup franc à l'Inter. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Federico Bernardeschi. La touche. Marcelo. Alvin Pastore. Arturo Vidal. Décalement Marcelo. Il porte le ballon. Ah, il est à l'interception. Arturo Vidal. Ah, peut-être une bonne occasion. Vidal. Arrière Pastore. Arturo Vidal. Ozil. La frappe demandée par le public. Pas de Vidal. Ouais, la faute du joueur de l'Inter. Et Messi. C'est un joueur qui n'en finit plus de douter. Hein. Puis là, je me demande à quoi remonte son dernier but. Je ne sais même plus, mais enfin la confiance n'y est plus, c'est évident. Mesut Özil. Alvin Pastore. Paolo Dybala. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile. Federico Bernardeschi. Oh là là, attention, il n'y a plus. Ouais, la frappe. Ah, bien joué le gardien. C'est jamais facile de gagner ce genre de duel, mais il irait bien rester sur ses appuis. Chiellini, le ballon qu'il faut plus se rendre. L'entraîneur qui fait bien comprendre à ses joueurs que c'est une occasion hyper importante qu'ils viennent de manquer, dommage. Oh là là, l'occasion, une coupe qui finit dans les bras du gardien. Alvin Pastore. Casalario. Ah, faute contre la Juve. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Oh là là, c'est pas passé loin! Non, c'était pas mal joué, il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque. Oui, à la place de l'entraîneur, j'encouragerais plutôt mes joueurs, ils viennent de rater une occasion, mais bon, au moins ça prouve qu'il y a de la place. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Un duel pour la récupération du ballon. Ouais, l'Inter va sanctionner pour cette faute. Ricardo Pereira. Federico Bernardeschi. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Marco Asensio. Oh, ça passe à côté. De justesse, dommage. Javier Pastore. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Il s'avance vers la surface.
Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Ce sera une touche pour l'Inter. Léo Messi. Pastore. Un gardien qui n'a pas trop à s'employer sur cette action. Il tape facilement sa tête. Ah, facile la récupération. L'Inter qui part à l'attaque. Allez, qui va reprendre ce ballon. Marco Asensio. Et il gagne quelques mètres. Paolo Dybala. Il ne prend pas le couloir finalement. Intervention défensive pleine de classe. Hein. Dans la surface, il faut oser. Merci. On écarte le jeu. Merci. Mesut Ozil. Mesut Ozil, peut-être le temps d'armer sa frappe. Messi. Messi. Et frappe contrée par le défenseur. Paolo Dybala. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Higuain. Federico Bernardeschi. Attention à la frappe. Ah, c'est complètement manqué ça. Cette distance, on se demande comment il fait. Je me demande s'il n'y a pas eu un faux rebond ou un truc dans le genre. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Ah, bien Pastore. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. Kelly. Asensio. Ah non, ballon perdu. Mesut Ozil. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. La meilleure attaque du championnat qui se retrouve menée à la pause. Ça m'étonnerait que ces joueurs se découragent quand même. Ils savent qu'ils sont capables de marquer à tout moment, même à l'extérieur. La Juventus de Turin à l'attaque. Higuain, il peut marquer là sur cette occasion. Federico Bernardeschi. Oh là là, attention, il y a... Ouais, la frappe.